Déjà, il y a 13 volts 2, il y a de la batterie. Bon ben voilà, bonjour à tous. Je suis de nouveau en Afrique, à pas très loin de Dakar, et je vais récupérer la Mad Max Car qui est restée planquée pendant 2 mois à cause de problèmes géopolitiques. C'est très compliqué de rouler en Afrique, il y a beaucoup de pays qui se sont fermés. Donc ben voilà, je suis allé. Elle est là, sous une bâche. Donc, eh ben on va la remettre en route. Et puis, on va se préparer à repartir. Ah, la pompe à essence tourne. Waouh ! Génial ! Ah bah c'est bon, tout fonctionne. C'est plutôt pas mal. Ça commence bien. Moi j'aime bien les journées qui commencent bien. C'est plutôt bien. Bah ça c'est de la caisse Toyota, c'est bien. Hein. Franchement. Super. Bon elle est un peu crade la voiture. Hein. Il y a de la poussière partout. C'est dingue, hein. En Afrique, tout ce qui roule pas s'abîme très 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 vite. Bon, il va falloir réinstaller l'ordinateur, tout ça, j'avais tout enlevé. La gestion vidéo, la station de montage. On va falloir faire un gros ménage, une petite révision. Et puis, dans quelques jours, je repars. Voilà. Donc, si vous aimez les vidéos de mon road trip Africa, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur le pouce j'aime. Et surtout, la petite clochette. Qui vous permettra d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, et ben écoutez, à bientôt. On va se mettre au travail maintenant. C'est ça là. Hey, Nicolas qui m'aide, il est super. Il est super Nicolas. Ouais, vraiment, on fait le ménage partout là. Dans tous les recoins. J'ai mon ami Jean-Michel qui m'a gardé la voiture pendant ces 2 mois à côté de Dakar. Et ben il me suit, il m'accompagne. Il m'accompagne quelques jours dans le désert du Férolo.
Donc c'est assez sympa, il est avec son pick-up Mitsubishi et ben c'est sympa. C'est sympa de rouler à deux de temps en temps, de pouvoir partager tout ça, tout ce qu'on voit. Attention parce que les éléphants sont prioritaires en Brousse. On sait jamais, il peut y en avoir un qui traverse. Depuis hier, ça fait 2 jours, je roule que dans du sable. C'est top. C'est que du bonheur. La voiture, en plus, elle marche super bien. C'est génial. Alors, j'ai 1 kg dans les pneus à l'arrière et 800 g dans les pneus à l'avant. C'est super. Ça permet de tout faire. Comme la voiture n'est pas très très lourde et que c'est des pneus de 4x4, donc les carcasses sont quand même assez dures, elles sont renforcées. Je roule avec des grabeurs MT, les grabeurs Mud, là, les X3, ils sont vraiment bien. Depuis que je suis parti de la France l'année dernière, je touche du bois, hein, la peau de singe, j'ai pas crevé une seule fois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà.